Enjoy yourself. Salut! Ouais, donc là on vient de finir le briefing avant la race. La course commence dans 10 minutes. Donc prêt pour faire 100 miles. Il y a plein de monde. Et à bientôt! Ah, hey, bonjour! J'ai pas l'habitude de filmer pendant la course, mais aujourd'hui c'est vraiment très très dur. Regardez autour de vous, c'est la folie, plein de neige, de la boue, et ma cheville faisait encore le double ce matin, un peu moins, mais ça fait vraiment très mal, donc je prends mon temps, je cours doucement quand je peux courir, sinon je marche pas mal. Donc ça va, la première loupe, 35e mètre, j'ai fait 4h, 4h05, de toute façon je finirai ce 100 mal, je m'en fous, même si je dois le finir. Même si je dois le finir à quatre pattes, je le finirai, je vous le dis. Là, je suis au 40e kilomètre, je pense. Après 4h40, ça commence à tirer. Je me suis pas entraîné pendant 10 jours en plus. Je ne veux pas me chercher des excuses parce que voilà, c'est comme ça. C'est fait. Et je voulais un challenge, et ben le voilà. Voilà, donc des fois c'est comme ça, pas de traces, plein de neige. Je ne pas courir en montée, ça. Pédale dans la semoule, c'est la folie. C'est la folie. Voilà, ça c'est le Mount Kai. On va le monter pour une deuxième fois, on va monter 4 fois aujourd'hui. Voilà. Et ça c'est l'Australie, ça. Fin novembre. C'est un truc de dingue. Ah, je viens de penser à un truc. Panoramix m'a fait ma potion magique ce matin. Ici. Et il voulait la donner à Astérix, mais je vais voler. Je me suis levé à 5h du matin. Je suis allé dans sa chambre et je vais voler. Donc attends. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau de coco et du curcuma en poudre bio. Pour les inflammations, j'espère que ça va marcher. Voilà, bah c'est surtout pour ça qu'on en a tout ça, pour profiter de ces magnifiques vues. Ouais. Encore moi, après je vous laisse jusqu'à ce soir pour montrer la nuit. J'ai plus de goal en fait. Parce que le goal c'est juste de finir. Peu importe le nombre d'heures, peu importe la place, même si je dois arriver demain soir ou lundi matin, je finirai cette course, je vous le dis. C'est ça aussi la seule discipline, c'est ça aussi. Croire en son potentiel, parce que là je cours pas du tout avec mon corps, je cours que avec ma tête. Et voilà, je vous avais promis, c'est un nouveau mois. La tombée de la nuit arrive, donc je vais bientôt allumer ma lampe. Là c'est le coucher du soleil, c'est déjà bien sombre, mais ça va, j'arrive bien à voir. Je crois que je suis au 90e kilomètre, donc il m'en reste 15 avant la fin de la troisième loop. Il me restera une loop et demie. Et je sais pas, à partir de 80 km, je me suis senti léger. Moi, là, c'est une grande montée, donc je sais pas, je marche et je récupère un peu. Mais ça va mieux, ça va mieux. Merci beaucoup pour votre soutien. Ouais, je vous montre un peu la montée et les alentours. Mes pieds pleins de boue. Puis là, il fait, je sais pas, moins 2, moins 3, je crois. Mais ça va, il n'y a pas trop de vent, donc on est chanceux. Mais avant, il y a eu une tempête de pluie. Du coup, j'ai mis mon caouet et mon pantalon anti-pluie et j'ai mis des gants anti-pluie aussi. Vous pouvez admirer cette magnifique pleine lune. Avant j'étais là et, parce que là je suis en train de monter pour la 4e fois le mont Mackay, 4e et dernière fois d'ailleurs, et il fait froid, mais quand j'ai descendu là il n'y avait pas de nuages, donc c'était super beau. J'ai éteint ma lampe, c'était magnifique.
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bah non, en fait, parce que j'ai une lampe frontale, donc j'ai toujours de la lumière. Il suffit d'une étincelle pour avoir de l'espoir. Là, j'attaque mon 110e kilomètre. Et il me reste un peu moins de 50 km. Donc ça va le faire. Température locale, moins 5 degrés. Ressenti moins 10. Et il est 1h15 du mat. Je pense finir à 9 ou 10 heures du mat. Ouais, ça va être. Ah, ça va être chaud. Voilà, donc là il est 8h20. J'ai fini la quatrième loop il y a je sais plus, 3 quarts d'heure. Non, 40 minutes. Ouais, j'ai pris 25 minutes de repos. Bien mangé. Aussi, mes pieds sont en feu, j'ai des ampoules partout. Ça fait à peu près 2 heures que j'ai fini. J'ai pas pu faire de vidéo sur la ligne d'arrivée parce que j'ai fini avec quelqu'un qui je courais. C'était fantastique. Je l'ai fait. J'ai fini. J'ai fait 100 miles avec ma blessure. Je suis trop content. Je suis trop trop fier de moi. C'est incroyable. Et voilà ce qui m'a amené là. Là, je vais prendre une bonne douche, me reposer, bien manger. Je ferai une vidéo plus tard pour expliquer la course à un vrai débriefing. Là, c'est juste un ressenti à froid. Enfin, ouais, je voulais dire à chaud, mais à froid parce que j'ai eu pris un coup de froid ensuite et j'ai demandé à quelqu'un de me déposer à l'hôtel.